Oui Stéphane, comme vous pouvez le voir derrière moi, le quartier de l'Archer est complètement bouclé. Cette reconstitution judiciaire engendre donc des restrictions de circulation et de stationnement. Seuls les véhicules de sécurité et des forces de l'ordre sont autorisés à circuler ce matin. Mais pourquoi une enquête sur l'affaire Pastor? Que s'est-il passé? Eh bien il y a un an, Hélène Pastor, une monégasque de 77 ans, a été grièvement blessée au cou, au thorax et à la tête et elle n'a pas survécu à ses blessures. Le principal suspect de cet assassinat serait donc son gendre. Il serait donc le commanditaire de l'assassinat puisqu'il aurait demandé à son coach sportif de tirer sur Hélène Pastor à l'aide d'un fusil de chasse en scie. Le coach sportif a avoué les faits. Les raisons de cet assassinat sont donc de mettre la main sur l'héritage d'Hélène Pastor, car il faut savoir que c'est l'héritière de la plus riche famille du Rocher après la famille Grimaldi. C'était Ambre Caudrelier en direct de Nice pour le journal EDJ Télé.